monde, c'est Sharkler, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bêta de Battlefield 4 PC. Alors pourquoi je dis PC déjà? Parce que j'ai oublié peut-être de le souligner lors de ma dernière vidéo sur cette bêta. Donc voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle et dernière vidéo sur cette bêta de Battlefield 4. Parce que vous devez sûrement le savoir, cette bêta se termine mardi, mardi 15 octobre. Et il faudra donc attendre 15, enfin 16 plus précisément, jours avant la sortie officielle et finale de Battlefield 4. Donc autant vous dire que l'attente va être longue de mon côté. Mais ceci dit, j'ai quand même vraiment hâte de pouvoir, enfin d'avoir ce Battlefield 4 entre les mains, les amis. Parce que c'est un des jeux quand même que j'attends le plus sur cette fin d'année 2013. Et oui, déjà fin d'année 2013, ça passe assez vite quand même, ça passe assez vite, mais en même temps attends, je suis vieux quoi, tu vois ce que je veux dire, man. Non sérieux, j'ai vraiment vraiment hâte. Oh putain, j'ai vraiment vraiment hâte que ce Battlefield arrive très vite dans ma boîte aux lettres. Voilà. Et donc voilà, écoutez, sinon j'espère que vous allez bien, que cette intro vous aura plu, les amis. Et oui, parce que j'ai eu l'idée d'avoir une intro spéciale pour chaque jeu. Donc c'est pas moi qui l'ai fait cette intro, hein, du tout, du tout. Détrompez-vous, les amis. Ce n'est pas du tout moi qui ai fait cette vidéo. Ah, bien joué. Je me souviens plus du nom de la chaîne. Je vous la mettrai dans la description de toute façon. Par respect pour celui qui l'a fait, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Mais en tout cas, chapeau à lui, parce que honnêtement, c'est vraiment du très très bon boulot. Et vraiment, j'ai kiffé. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc vous verrez. Vous verrez sur la chaîne, pour ceux qui font des vidéos YouTube, ça peut vraiment donner des superbes idées. Alors, on va tenter un truc de dingue. Hop. Oh oui, c'était magnifique avec le petit headshot bonus. Là par contre, il y a quelqu'un. Il est où, il est où? Oh putain, il m'a rodé. Ah ouais. Ça pardonne pas, ça pardonne pas. Donc voilà, je pense faire des nouvelles intros pour chaque jeu. Oui. Vite, à couvert, à couvert, à couvert. Oh putain, il y a du monde. Il y a trop de monde. Il faut que j'arrête de spawner là-haut. D'ailleurs, j'aime pas jouer sur les toits parce que déjà, j'aime pas. Moi, j'aimerais me spawner sur sur autre chose que des mecs de mon escouade, en fait. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire team setup. On va changer des squads, tout simplement. Voilà, join squad. Hop. Hop, et des mecs qui jouent à terre, voilà, c'est ça que je veux, moi. J'aime pas commencer sur le toit, je trouve que c'est vraiment très... C'est anti-jeu. Bon, voilà, on est qu'à 3 minutes de vidéo, vous inquiétez pas, je vais tout de suite surenchérir avec un second gameplay. Alors, j'ai peut-être pas précisé, mais d'ailleurs, vous l'avez dû le voir à l'écran, on était en domination sur la map, de toute façon... Sur la map de Shanghai, de toute façon, il n'y a que cette map de disponible. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir explorer toutes les autres maps de ce BF4. J'ai pas pu jouer au dernier. Enfin si, j'ai joué, mais j'ai pas trop. Enfin, je me suis pas penché sur la chose, j'ai joué comme si j'étais en domination. Au dernier mode qui était sorti sur cette bêta, la fameuse ruée conquête. Enfin, c'est un petit peu bizarre, c'est un peu de la démolition de Call of Duty. Enfin, en ce qui concerne les règles, hein, on est très loin du Call of Duty quand même. Mais très loin devant, devant Call of Duty, mais ça reprend un petit peu ce style-là, avec cette bombe à planter, à défendre, à attaquer. Ça reprend un petit peu le style du mode domination qu'il y a sur la saga des Call of Duty. Donc voilà, on est siège en Shanghai. Putain, il faut que je me mette dans la tête. Et je pense que cette map, honnêtement, ça a été une bonne map pour la bêta. Mais en même temps, ça n'a pas été une super bonne de par... oh putain, j'en ai marre, à chaque fois je pense à Takia. Et là, ils vont tous arriver là. Ok,
Ouais, j'ai pas trouvé que c'était non plus une super map parce que tout le monde finalement se retrouve à camper sur le toit. Et je trouve que ça casse vraiment tout le jeu. J'aurais jamais vu faire ça, je suis débile. Et je trouve que ça casse le jeu. De camper comme ça, bêtement et méchamment sur les toits. Parce qu'il faut pas. C'est pas détendre hein, ceux qui campent. C'est tout au Thumper et au RPG. Alors je l'ai fait bien sûr quelques fois. Mais c'était. Voilà. Tout le monde l'a fait de toute façon sur cette bêta, on va pas se mentir. Et bon, c'est pas quelque chose. Ah oui, c'est pas quelque chose que j'assume, voyez-vous. Que je suis fier d'assumer. Oh, je me suis fait déboîter. Néanmoins, pour une bêta, je suis quand même pas mal impressionné par, par Frostbite 3. Même si on n'a pas tout, je me dis, waouh, on n'a pas tout, mais c'est quand même déjà... C'est quand même déjà pas mal. On s'est tué en même temps. Ouais. Ouais, on s'est tué en même temps. C'est quand même déjà pas mal pour une bêta de ce bon gros moteur graphique qui est Frostbite. Vraiment, chapeau d'ice quoi. Y'a rien à dire. Après, voilà, comme de toute façon, comme tout le monde le dit, on verra bien à la version finale ce que ça donnera. Et donc voilà. Sinon écoutez, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter d'autre, ce n'est que c'est bientôt les vacances pour moi et pour pas mal de gens également. Et enfin moi c'est à la fin de cette semaine, ce sera mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 octobre, je serai en vacances donc. À 14h précise. Et qu'est-ce que tu fais, man? Arrête de tirer, Ah, oh, ça fait deux fois là. Et donc, qui dit vacances de tout ça, dit forcément pas Games Week. Et donc, je voulais parler de ça parce que j'ai pas été très clair. J'en ai pas beaucoup parlé sur Twitter de la Paris Games Week. Je vous ai pas vraiment tenu aux, tenu au courant de ce que j'allais. Ce que j'allais faire, ce que j'allais y faire, quand j'irai. Enfin voilà, j'ai pas été très. J'ai pas été très très informatif à ce sujet-là. Et c'est pour ça donc, je voulais que je vous en parle là pour remettre un petit peu les choses au clair. Donc je serai présent le vendredi, samedi, dimanche, donc je sais pas quel jour en chiffre c'est. Par contre on va les détruire très vite, on va très vite aller détruire cette putain de grille de merde. Voilà. Et on va aller les chercher. Voilà. Alors. On en a un qui est là-bas. Il va rester là-bas ou pas? Ouais, apparemment. Donc je serai présent ces trois jours-là, donc les trois derniers jours du salon. Oh, les trois derniers jours du salon, voilà, j'ai pas pu avoir d'accréditation. À mon plus grand regret. À mon plus grand regret. Et parce que voilà, j'aurais tellement pu vous faire vraiment des choses assez exclusives, avoir des images sympa à regarder. Mais bon écoutez, dommage, ce sera peut-être pour une prochaine fois. C'est vrai que bon, c'est pas avec la avec mes 185 abonnés, même si je remercie vraiment tous les gens qui s'abonnent à la chaîne, c'est vraiment vraiment génial. Ah, fait chier, un petit coup de l'ail. C'est vraiment génial, merci beaucoup à tous pour ces 185 abonnés pardon. C'est quelque chose d'incroyable. Jamais. Ah, mais ça fait deux fois lui. Ça, jamais j'aurais pensé quand même avoir 185 abonnés. On a beaucoup stagné. Je vous dis ça parce que ouais, voilà, on a beaucoup stagné à 175, 174.
Et puis, il y a eu cette vidéo avec Gilo et tous les autres. Peut-être que vous n'avez pas vu, que je peux vous mettre à la fin de cette vidéo. Je pense honnêtement que ça m'a pas mal aidé à développer mon audience, mon activité. Et je remercie Jiloé d'ailleurs au passage vraiment de nous avoir invités. C'était quelque chose de super super sympa. Aïe aïe aïe. Et c'est avec un grand plaisir que je referai ça. Eh bien, re les amis, excusez-moi vraiment pour ce bug, mais comme ça a dû arriver à beaucoup de personnes, ma bêta a crashé. Alors du coup, j'ai décidé de baisser un petit peu la qualité graphique. C'est pour ça que là, vous allez avoir pas mal de différences avec le reste de la vidéo. Mais bon, je préfère. Parce que bon, si c'est pour avoir une vidéo qui crache toutes les deux secondes, c'est pas du tout la peine. Donc ouais, écoutez, je vous parlais de la Paris Games Week de Gilouel, voilà, bon, donc, merci à tous. Et pour revenir à propos, je parlais des accréditations, justement, c'est ça qui m'a fait déborder à ce sujet là c'est que c'est grâce en partie à cette vidéo là que j'ai pu vraiment développer un peu plus mon activité. Et très franchement, je l'en remercie. Ça va pas être une vidéo vraiment très très longue à la fin de cette partie. Je vais arrêter parce que c'était vraiment une vidéo petit kiff comme ça, voilà, juste avant la fin de cette bêta. Et puis d'ailleurs, voilà, la vidéo se termine. Bon, écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle aura duré 10 petites minutes environ, un petit peu plus, 11-12 minutes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu les amis. N'oubliez pas de commenter, d'aimer ou de pas aimer. Enfin, avec toujours un avis objectif sur la vidéo. Voilà, n'oubliez pas de commenter, d'aimer, de partager, de vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît ce que je fais. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, m'écoutez, bienvenue. N'oubliez pas également de me suivre sur tout ce qui est réseaux sociaux, page Facebook, Twitter, très important si vous avez envie de discuter avec moi. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier l'un de mes abonnés sur Skype. Alors, il se reconnaîtra, je vais pas dire son nom parce qu'il a un nom compliqué sur Skype. Je crois que c'est Frédéric, enfin il s'appelle comme ça. Un Canadien qui m'a ajouté sur Skype et ça m'a énormément touché de savoir que même des gens qui venaient du Canada m'avaient ajouté en contact Skype. Et voilà, c'est vraiment l'exemple à suivre. Le Skype également dans la description. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ça. Moi je suis vraiment, comme on dit, je suis open. Je suis là pour discuter avec vous, pour qu'on joue ensemble, pour qu'on discute, tout ça. Et voilà, moi c'est là-dessus que je me base. Et puis jamais je changerai parce que j'ai un énorme respect envers tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Voilà les amis, c'était Charclair, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt pour une prochaine, ciao.